Salut les amis, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une bonne semaine et surtout de bonnes fêtes de Pâques. Aujourd'hui, je suis à Moria avec ma famille. Youhou! Et du coup, j'ai passé mon week-end avec eux, c'était super cool. Donc pour en savoir plus, on se voit tout de suite pour la vidéo. J'ai début de cette journée avec l'arrivée de mon papa qui est venu nous chercher jusqu'au quai. Avec ma grande sœur, ouais, c'était super cool. Il faisait hyper beau, le temps était parfait. Voilà, on est descendu sur Moria. Elle est trop belle la montagne, magnifique. Du coup, là, on est chez mes parents. Ouais. Normalement, elle a les plus belles fleurs. Ça, c'est la Taïna. Tiare Taïna. Voilà, elle est un peu toute moche. Elle reste quand même jolie. Pendant ce temps, mon papa il est allé à la pêche avec mon petit frère et ma grande soeur et Tupita. Ils sont revenus avec plein de poissons. Il y avait les rougets, il y avait le pêcheré, il y avait des houmets, il y avait plein de poissons. Voilà! Perroquet, ce poisson-là. Heureusement qu'ils sont vite revenus parce que là on voyait la pluie qui venait sur nous. Entre mer et terre. Entre mer et terre. On revient de la chapelle et là on va faire le mât. Voilà, là on fait du ma'a pour le hachi, de l'avocat. Yam yam. C'est l'heure de ta ma'a. Bon appétit. Ta ma'a mit et... Après manger, que je vous raconte, je suis sortie dehors et j'ai vu qu'il y avait un cocotier sans tête. Non mais allô quoi, un cocotier sans tête. Notre cocotier là, il a rendu l'âme, il a plus de cerveau, il n'y a que son corps. Mais j'ai pas vu que ça. J'ai remarqué que celui d'à côté, il y avait plein de cocos, mais vraiment beaucoup. Lui, il est hyper vivant en fin de compte. Il y en a plein de cocos. Alors j'ai vu aussi que le cocotier qui était juste à côté, mais en fait il avait deux têtes. Je sais pas si vous voyez bien, mais il a deux têtes. C'est un cocotier à deux têtes, vraiment trop bizarre. Ensuite, comme je m'ennuyais, je suis allée avec ma soeur, on a fait atelier make-up. Ouais, c'était trop sympa. Franchement, ça m'a trop manqué ce genre de petite activité, atelier make-up là. C'était trop sympa. Dehors, sur notre tapis, tranquille, personne ne nous dérange, sauf les chiens. Super cool, c'était trop sympa. Ensuite, bon, je voyais que mon petit frère me dérangeait parce qu'il voulait faire la chasse aux œufs. Du coup, on est allé cacher les œufs, ma grande soeur et moi, pour Heitiata et Manaho, mon petit frère, pour qu'ils puissent faire la chasse aux œufs. C'était trop marrant. C'était trop rigolo, franchement. Ouvrez vos yeux. Alors, Manaho, toi, tu es sur la terrasse, à partir de là jusqu'à là-bas. Et Heitiata, tu es de l'autre côté, dans le salon, c'est bon? À vos marques, 2 minutes pour trouver 20 œufs. Prêt? 20. Prêt? Top! Cherche. Allez! Chauffe. Étoile. Chauffe. Tu restes bien.
Allez, Mnao, cherche. Il y a encore des œufs. Il y a encore des œufs, Mnao. C'est une blague. Non, bonne blague. Mais cherche bien. Cherche bien. Mais cherche bien. Allez, alors, cherche. Et voilà ce que les enfants ont récolté. C'était super top notre week-end de Pâques avec la famille de Moria. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à aimer, à commenter et aussi à vous abonner à ma chaîne. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Maruru Iarana!